Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci pour les likes, merci pour les partages. Bonjour, la reine Nora. Bonjour Isabelle. Donc, je veux déjà prévenir que je ne vous contacterai pas en inbox, ok? Vous avez beaucoup de personnes qui vont vous contacter, ils vont faire comme si c'était moi. Je ne vais jamais vous écrire, je ne vais jamais vous dire que je suis la lumière, ou je suis la reine lumière, ou je suis. Ok? Donc, il y a les scammers qui viennent sur ma page, ils voient votre profil, ils vous écrivent. On m'a envoyé l'autre ce matin. Et. La personne, elle a écrit, c'est une scammeuse qui est au Burkina Faso. Elle dit que c'est moi qui suis partie là-bas pour quelque temps. Je ne suis pas au Burkina Faso, je ne suis jamais partie là-bas. Vous dites moi, c'est moi en avance. Donc, parce que sur le reçu de Western Union, elle va dire que vous mettez la ville de Burkina Faso. Je ne suis pas une ville là-bas. Ce n'est pas moi. Ok. En tout cas, le client que j'ai, sa personne qui me suit là, a bien lavé la personne. Que tu viens m'écrire en inbox. En tout cas, elle a bien lavé. Ok, donc comme ça c'est déjà enlevé. Je fais le direct parce que je sais que c'est un peu difficile dans votre esprit actuellement. Vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez vous en sortir seul. Vous n'arrivez pas à croire que sans certaines personnes dans votre vie, vous pouvez vous en sortir. Bonjour, bonjour, bonjour Yasmine, bonjour Floriancia, bonjour Justine, Moser, bonjour. Elisha, bonjour. Shot, bonjour. Marie-Pascaline, Eddy, Constant, Elf, Mouna. Karine, Amatou, bonjour. Je pense que vous connaissez là comment j'écris. Parce que la personne écrit toujours coucou chérie, ma chérie. Moi, je ne vous chéris pas. Je vous chéris que quoi? Et te coucou pourquoi? C'est la FCC, ma chérie. Donc, en tout cas. Donc, il y a beaucoup d'entre vous. Depuis que vous m'écoutez, vous commencez à prendre confiance en vous progressivement. Et je vous en parle parce que ce sont des batailles que moi-même je suis subie personnellement. Elle a vu l'accident chez toi. Hein? Je ne vous verrai jamais quelque chose si vous pouvez vous dire. Je vous dis à l'avance. Bon, attendez, il faut que mon message sorte. Il faut que mon message sorte actuellement. Beaucoup d'entre vous, quand vous commencez, depuis que vous avez commencé à m'écouter, vous commencez à réfléchir. Genre, il y a certaines personnes que tu prenais en charge chaque temps. Parfois, tu reçois ton salaire. Au lieu de penser même à te mettre à l'aise, tu penses d'abord, donc, il y a des femmes parmi vous qui, vous ne pouvez pas partir au marché acheter quelque chose pour vous sans acheter pour votre gars d'abord. Donc, c'est comme si tes yeux filtrent, ça ne voit pas tes chaussures, ça voit que les chaussures du gars. Et comme par hasard, le gars ne voit jamais les chaussures des femmes. Il ne connaît même pas ta pointure. Et ce matin, j'ai une dame qui arrive, elle a sorti près de 300 euros cash. Elle me parle, elle sort l'argent. Oh, parce qu'elle veut qu'on soigne son gars. Ils ne sont pas mariés. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y en a parmi vous, votre cœur est tellement généreux. Laurentine, elle a tête écrit. Ouais. Oh là, Seigneur. Et écoutez. Je ne sais pas si vous que je tape la caméra 6, 5 fois sur votre tête. Je tape comme ça là. Réveille-toi. Il y a les gens autour de toi qui abusent de toi. J'avais un gars.
Moi-même, c'est là. Un, je vais m'asseoir, je vais vous parler de mes gars. Les gars avec lesquels je suis sortie. Ah! Jesus. Quand on est en train de travailler, pour lui, en fait, mon entreprise, c'est mon entreprise. Genre, pourquoi est-ce qu'il doit. Si un jour il se lève pour toucher quelque chose dans mon entreprise, on est d'abord s'en ranger, je le paye la journée, là. Écoutez bien. Le Seigneur guérit. Souvent, il part dans le bureau, il se couche, il dort. Moi et les employés, donc pas seulement mes employés solaires, moi et les employés, on doit entrer travailler. On emballe les choses. On emballe les choses. On fait les trucs. Il a, et aussi, et toi dire, et aussi. Le soir, l'argent que j'ai travaillé en emballant les sachets le matin, là. Hein? Bon, on part manger où? C'est lui qui dit. On peut aller faire un tour. Je reste comme ça, là. J'ai dit que, yeah. Un jour, je suis restée, moi. Et le truc, c'est que quand tu as les gens qui t'entourent, qui voient les choses comme ça, là, ils ont même parfois peur de venir te dire que, maman, toi-même, tu ne vois pas aussi que l'autre, ce n'est pas normal. Vraiment, je remercie Dieu pour les gens qui sont honnêtes autour de vous. Donc, si c'est pour manger mon argent, tu es fort. Hein? Et quand tu veux venir soulever la main pour faire quelque chose, il faut qu'elle te dise combien elle va te donner. Non, tu sais que j'ai un projet. C'est vrai que ça ne donne pas encore pour le moment. Un jour, et c'est comme si moi je ne faisais qu'attirer les gars pauvres. Un jour, l'autre me dit que tu vas alors venir vivre avec moi dans la chambre. Je lui dis, tu es fou. Je peux laisser mon palace pour dormir en chambre avec toi. Waouh, Blanche, tu as fait ton lavage et voici ton ancien patron qui t'appelle pour te verser ton dernier salaire. Il te doit depuis avril. Waouh, Seigneur, nous remercions la restauration financière. Envoyez vos photos pour le lavage, pardon. Le lavage physique, vous ne pouvez pas les avoir pour l'instant. Envoyez les photos, je vous en prie. La personne va te donner les excuses pour tester le cœur de quelqu'un. Vois quand la personne a l'argent. Donc, si toi tu touches 1 million le mois, il touche 50 000 le mois. Le jour où il a ses 50 000, vois ce qu'il fait avec. Il va acheter ses écouteurs. Il va acheter son petit sac qu'il voulait depuis. Il va acheter. Et le tout, c'est que même ces 50 000, il ne va pas demander qu'on va manger quoi à la maison. Que bon, demain, c'est moi qui paye la nourriture à la maison. Mais chérie, je t'amène au resto. Je paye même si c'est 5 000 pour qu'on mange. Ils vont pas mal le poisson brisé à 1 500. Parce que les femmes à qui je parle là, vous avez une puissance. Toi, l'argent pour toi, c'est rien. Ma chérie, tu galères depuis que tu as 15 ans. Tu crois qu'à 35 ans, 40 ans, tu ne connais pas d'ailleurs comment l'argent fonctionne. Tu te lèves le matin au salon, ta 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 ta, pam, l'argent vient. Mais dans le tintamarre aussi venir. Combien de femmes fautes. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête d'intimider les femmes. Tu vas demander qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce que tu apportes à la table, monsieur? Qu'est-ce que tu apportes dans ma vie? Fais souvent le reality check. Tu vois ce que l'homme là t'apporte dans ta vie. Tu sors, tu pars, tu te casses, tu travailles. Il y en a même qui vont dire qu'il ne faut pas que c'est la ménagère qui ne peut pas sa nourriture. Mais mon frère, je dois sortir pour aller bosser. Pour payer le loyer, payer l'école des enfants, payer ceci, payer. Maintenant, tu veux que je rentre
Pour venir encore préparer, pour que tu manges. Quand je pouvais encore avoir les ménagers, il y a 20 ans où je préparais la nourriture d'une semaine, je les mettais dans le frigo. Je prends trois différents repas. Tu rentres, ça ne te plaît pas. Entre la cuisine, tu fais les œufs, tu manges. Et malheureusement, à un moment, c'est comme si tu l'as choisi entre le fait que tout le monde voit que tu es marié et tu es bien. Et pauvre. Et le fait que tu vives ta meilleure vie. Mesdames, la pauvreté n'est pas bien, ça fait mal. Quand tu es pauvre, c'est pas bon. La pauvreté n'est pas bonne dans le corps. Quand tu es pauvre, tu es noir. Ton corps noirci. Hey, j'ai été pauvre dans ma vie, je ne veux plus. I don't want it anymore. Non, vous-même, les femmes, si confus, dites-moi, s'il vous plaît. Yes, Tania, quand tu as dépensé 4 600 000, ça, c'était vraiment moi qui t'ai parlé dans le rêve. C'était vraiment moi. Quand vous allez voir le bilan parfois par an que vous avez dépensé sur votre déblocage, vous allez confirmer que non, le travail, c'est là, ça demande l'argent. Mais c'est progressif. Bon, je reviens dans mon sujet parce que mon sujet là, ça me tient à cœur. C'est très sucré dans ma bouche ce matin. Tu vas rester comme ça. Tu as ton argent, tu ne peux pas dépenser ton argent. Certains parmi vous, je sais que vous êtes dans les boulots, vous touchez 700 000. Ce n'est pas de ta faute, mamie. Tu touches ton argent. Donc, est-ce que tu penses que c'est juste qu'un homme vienne dans ta vie et qu'il t'empêche de jouir de ton argent? Seulement pour le... On ne dit pas le mot là sur Facebook. On peut utiliser quel mot? Même le mot plantain s'est déplacé. La pauvreté rend triste, aigri. Quand tu vois quelqu'un, la personne n'a pas l'argent. Même une femme qui est dans un foyer, elle est un foyer de pauvreté, elle est malheureuse. Elle se fâche tout le temps. Elle fait les bras à son mari tous les jours. Ma chérie, tu sais ce que c'est quand tu es dans ta voiture, tu mets la clim. Tu mets la clim. Ou tu as même le chauffeur qui te conduit. Vous parlez de quoi? Tu veux quelque chose de tu. Écoutez, il y a des gens qui ne partent même plus au marché. Les trucs que tu peux au marché, on te bouscule, tu peux au supermarché. Tu... Les caissières te font les humeurs. Parce que ce n'est plus toi qui pas fait le shopping. Vous parlez même de quoi? Écoutez-moi, oh. Il ne faut pas qu'on vienne vous faire gnignigné. Je vais rester sans ma... Ah, mon mari. Bon. Combien d'entre vous avez des idées brillantes? Vous avez des idées brillantes. Tu sais que si tu mets ton idée en place, le problème c'est que vous ne croyez pas en vous. Et vous ne vous donnez pas du temps. Je vous ai dit que ça m'a pris 13 ans pour que je voie comment mes idées peuvent donner l'argent. Pendant les 13 ans, là, vous croyez qu'on se moquait aussi de moi. Tu viens dans ma vie, tu veux un peu que ni, 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 je te pousse, je fais ni aussi, tu pars. Je me rappelle en 2016, j'avais dit à un de mes ex là. Moi, je n'avais pas moi les diplômes. C'était un Nigérian, venait d'une famille riche. On s'est rencontrés en Bain. Je me rappelle, on s'est rencontrés. Je vous ai dit quand moi j'ai parti à l'église, j'avais deux habits, non. Dans l'église, on m'a rencontré. On s'est rencontré comment? Dans une église d'avant. Je suis quitté l'église, je suis parti dans une autre église. Je le revois en route, j'étais en train d'évangéliser. Il vivait, il avait un appartement au centre-ville de Birmingham. Il me ramène chez lui, et je reste en bas. Il monte prendre sa participation. Je crois qu'on collectait les fonds pour faire quoi, je ne sais même pas. Il descend, il me donne. La semaine qui vient, il vient. Le coup de foudre qu'on avait eu, il vient dans mon église maintenant la semaine qui suit.
Il avait remarqué que j'étais pauvre. Je portais deux habits. Si tu ne me voyais pas en habit vert, tu me voyais en habit noir. J'avais un ensemble noir là. J'avais des chaussures que je portais. Je savais que les talons étaient assez confortables. Donc je pouvais porter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la pauvreté faisait mal. Quand il me rappelle des périodes là, ça faisait mal. Ça faisait mal. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Je volais même le bus. Tu prends le bus, tu es là comme ça. Quand ça arrête, tu regardes. Tu vois quelqu'un avait un habit. Parce que les contrôleurs, ils avaient des habits qui flashaient là. Les contrôleurs d'Angleterre. Donc quand tu vois un arrêt, quelqu'un a un habit flashé comme ça, tu comme ça, tu dis, hé! Hey! Ah, j'ai envie de pleurer, même qu'elle pense aux choses comme ça. Je suis enlevé l'enfant dans le bus. Quand on vient te contrôler comme ça, là, tu sais que yeah, je n'ai pas payé le bus aujourd'hui. Tu sors un ancien, on appelle ça le boss pass. Tu montres. Parfois, j'avais la soeur, une belle soeur là. Elle restait trop souvent à la maison et l'État lui donnait tout. Donc, on payait son boss pass toutes les semaines. Je prenais son boss pass, je laissais sa photo, je prenais son boss pass, je mettais sur ma part. Et quand tu mettais les numéros de série, ne correspondaient pas. Ce qui est sur la photo et ce qui est sur le ticket de la semaine ne correspondaient pas. Donc quand tu faisais ça, tu flashais. Ils appelaient ça flasher. Tu flashes pour qu'on ne voit pas. Donc quand les contrôleurs venaient, ils faisaient comme ça. Je ne sais pas le nombre de fois où on m'a sorti du bus avec l'enfant. Et quand on te sort comme ça, là, il faut que tu marches, tu bosses. Attendez, vous dis. Tu quittes du bus stop là-bas, tu marches pour arriver sur le prochain bus stop parce que tu sais qu'ils sont derrière là-bas. Donc tu ne peux plus prendre le bus là où tu es là. Quand on te retire, tu marches seulement. Tu arrives sur l'autre bus stop. Et en espérant que si tu arrives là-bas, qu'ils ne sont pas dans le bus encore. Avec l'enfant de 2 ans, 3 ans dans ma main. Je suis revenu au Cameroun, je vous dis souvent qu'elle dormait sur la natte. Ça fait moins de 24 mois, c'est-à-dire en 2020 quand il y avait le corona. Je dormais sur la natte au sol, la natte de 4 000 que j'ai achetée à la douche. C'est ici là au marché Congo. Ma chérie, tu vas souffrir comme ça. Avec ton ou tes enfants. Parce que Dieu t'a donné une promesse, tu sais que tu pars quelque part. Écoutez, quand je vous parle souvent ici là, je vous parle avec tout mon cœur. Dieu m'a toujours dit, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours su que je vais réussir. J'avais des moments souvent, ma belle famille, mon ancienne belle famille, je ne devrais pas laquelle. Oui, voilà, Christelle, on te donne l'amende. Thank you very much. Merci beaucoup, tu connais. Quand on te sort, on ne te laisse pas comme ça, on te donne l'amende. Oui, tu as bien dit. Souvent, quand tu arrives au sol, au boss stop comme ça, là, tu arrives à l'arrêt de bus, tu regardes au sol pour voir si quelqu'un a lancé son ticket. Quand tu marches en route, tu vois un ticket comme ça, tu ramasses rapidement pour voir si c'est la date d'aujourd'hui. Parce que Dieu, je me rappelle une belle famille là. Les gens là m'avaient tellement humilié quand ils me donnaient l'argent. Ils m'humiliaient toujours. C'était les frères de mon ex. Frère, c'est une famille de. Moi, je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a tout fait sortir. Avant de sortir avec les gens qui ont les gars qui ont l'argent. Les gars de famille riche. Tu vois, quand ses frères viennent te visiter, c'est ce que tu vis avec l'enfant. Mais pourquoi tu ne nous dis pas que tu souffres? Bon, les choses qu'on te dit. Oh Seigneur. Moi, je leur ai dit que si vous savez quoi, si c'est pour prendre votre argent là, hein, c'est pour faire vivre ici mon enfant. J'ai pour faire vivre ici mon enfant. Tu vois, quand ils quittent de leur pays, ils viennent me trouver dans mon pays. Parce qu'en partant, on va te donner 50 pounds. Parce qu'en partant, on va te lancer 100 pounds sur toi. Ils vont venir s'asseoir pour voir. Je vais venir chez toi, Jocelyne. Je dis que je ne suis pas à la maison. Parce que je vous ai dit que moi, pendant une longue période de ma vie, je vivais toujours, je prenais une maison comme ça là. Je restais dans la chambre avec mon enfant. Je mettais les gens dans les autres chambres. C'est ça qui me faisait que le loyer, je ne le payais pas. Parce que l'État ne s'occupait pas de moi. Que je vais venir chez toi, Jocelyne. Parfois, ils disaient que je ne suis pas disponible. Je suis partie livrer mes beignets dans une autre ville. Moi que j'ai chargé les conteneurs avant. Ils insistent. Une fois là,
Ils ont insisté, ils sont venus dans ma maison. Et le salon, là où parce que quand je faisais, je ne pouvais pas prendre une chambre pour faire un salon avec. Donc le salon était comme un couloir. J'avais mis un canapé dans un couloir. Parce que vous savez qu'en Angleterre, ils ont toujours les halls. Là où tu passes pour aller, les dining rooms. C'est là-bas que j'avais fait le salon carrément. On s'assoit. Il parle. Après, il vient sur toi. Jocelyne, on t'a parlé, tu ne comprenais pas. Regarde-toi maintenant. Quelqu'un te sermonne. Maintenant, on dit que tu es à l'église, que tu évangélises maintenant, tu prêches. Oui, j'ai même vu deux de tes vidéos en ligne là. Seigneur Jésus. Vous savez quoi? Quand quelqu'un vient dans ma vie aujourd'hui, me fait le chantage. Je dis que mon frère, ma soeur, il a trop vu ça. J'ai déjà trop vu. Et on dit que maintenant tu fais les vidéos. On t'avait dit qu'il fallait que tu fasses comme ça, non? Il parle, je fais. Je me retiens pour ne pas parler. Parce que quand tu as seulement une vision, tu vas faire comment pour dire à la personne que ça va donner un jour? Tu vas faire comment? Je sais que ça va donner. En partant, ils sont à 50 euros, 50 pounds. Bon, voilà, occupe-toi de ça, occupe-toi de l'enfant avec ça. 50 pounds sur l'envie de l'enfant, ça fait quoi? Pardon, dites-moi un peu. 50 pounds fait quoi sur la vie de l'enfant? Ça nourrit l'enfant un mois. Et ils savent que là où tu es, tu n'as pas les papiers, c'est-à-dire que l'État ne te donne pas l'argent. À un moment, j'ai dit que l'État. Donc, j'ai coupé et fermé mes oreilles. Il n'y avait que les anniversaires. Quand c'est l'anniversaire, celui qui se rappelle, là, il dit OK, il envoie même 50 pounds pour l'enfant. Je me cherche. Un jour, ma fille reste. Elle me dit, maman, tu es devenue riche. Hein? Et la regarde, dit que ma chérie, tu te rappelles quand on souffrait, quand on était en Angleterre, on souffrait, on prenait le bus. À 2 ans et demi, ma fille connaissait courir derrière le bus. Ma fille connaissait qu'on sort. Vous connaissez que l'enfant de 2 ans, il apprend à peine à tenir debout. Il sortit seulement comme ça là. Et un jour, je suis même partie sur Google Maps. Quelqu'un me dit que j'ai vu ta photo sur Google Maps. Je pars, je check ma rue. Ils ont déjà enlevé. Ça, c'était en 2015 ou 16. Ils avaient pris la photo en 2012. Je me vois avec ma fille comme ça, que je de la tirer. Voilà, c'est comme ça que mes machins en Europe. Je la tirais toujours. Il y a beaucoup de ces photos dans mon téléphone qu'elle est toujours à l'arrêt de bus avec moi. À l'arrêt de bus avec le froid. Parce que tu as une vision. Quand elle n'est pas livrée mes croquettes, les jours où elle n'est pas à l'école, on est dans le bus ensemble, on n'est pas livré. Maintenant, quand tu vas traverser tout ça, tout le voilà, les humiliations, vous connaissez de quoi je parle. Tu arrives à un niveau où ça commence à donner. Quelqu'un va venir se placer devant toi. Ah. Tu me dis qu'il n'a pas mangé mon argent. Hein? Je dois demander ton autorisation. Ou que je vais essayer de faire la bonne face devant vous. Non, je veux que vous voyez que je suis. Bon, voyez aussi que je suis mariée, non? Et c'est dans le. Il y a beaucoup parmi vous dans le mariage, vous êtes là, vous couvrez. Vous couvrez ces personnes. Tu sais que là où il est, il ne fait même pas le 1/10 de ce que tu fais. Ma chérie Sylvie, j'ai été courageuse. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes courageuses aussi. Mais vous ne voulez pas croire en vous. Ma chérie, ce que tu fais là, ça va donner. Écoute bien, ça va donner. Et vous savez que les hommes sont parfois forts pour vous décourager. Il va te sortir une petite parole comme ça. Parce qu'il veut te casser. Il va te lever à 4 heures. Tu as pris la nourriture pour aller vendre. Tu as pris... Écoutez, je vous ai dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut. Ma chérie, si actuellement c'est la nourriture que tu vas déposer au-dessus de la table, tu vends 500 le plat. C'est ça qui te donne la nourriture, l'argent. Hein. J'aime parfois vous dire là où j'ai commencé pour que vous compreniez. Peu importe là où tu as commencé, mais c'est là où tu pars. Il y en a parmi vous, vous avez commencé à faire, il a arrêté. Je veux que ma femme vende la nourriture. Ah, Jesus is Lord. Enfin, je vais m'acheter les problèmes des gens.
Et pas que ma femme va à la nager. Ma petite réunion de 10 000 par semaine, où c'est même 10 000 par mois que tu demandes de cotiser là. Et pas quand on dit que ma femme, fais le folie, tu mets dans le congélateur, tu mets sur le portail que folie à vendre. Que ça m'a vendre, il y a où à vendre. Ma chérie, ton problème c'est quoi? Parfois, profite quand tu es dans la grossesse. Parce que parfois, il y en a parmi vous, votre grossesse vous dérange beaucoup. C'est le temps là que tu vas commencer à lire l'heure. Ma chérie, même si tu as 3 bébés, tu as fait les triplés, ils sont couchés sur le lit. À 3 heures, quand les bébés dorment, lève-toi, tu peux fabriquer quelque chose que tu vas vendre le matin. Tu écris sur le portail. Je ne vois pas quel quartier où les gens ne vont pas lire sur le portail. Tu prends la craie de 25. Tu pars dans voir un boutiquier, tu t'arranges avec lui, 2 boutiquiers du quartier. Il y en a parmi vous, faites de bons gâteaux. Fais le gâteau, tu peux te déposer aussi là-bas. Le truc, c'est que tu n'as pas arrivé à un niveau où on t'immobilise, on te paralyse. Et connais comment c'est l'effort qu'il te faut pour t'occuper des enfants. Je parle particulièrement aux femmes. Si un homme là qui sait ça indexer, je m'en fous, maman, papa, il faut partir. Dès que tu as une idée, tu viens avec. Ah, il n'y a pas l'argent pour ça. Ma chérie, quelqu'un va venir te visiter, il va te donner même 10 000 pour les enfants, non? Décide maintenant que chaque argent qu'on donne pour tes enfants, tu coupes la moitié, tu mets de côté pour commencer quelque chose avec. Le problème, c'est que vous manquez d'inspiration. Et je crois que vous faites exprès. Ce que femme veut, Dieu veut. Je crois pas que c'est pas pour rien qu'on a dit ça. C'est pas dans la Bible, mais je pense que c'est pas pour rien qu'on a dit ça. Quelqu'un va souvent venir te visiter comme ça, tu vas mettre dans son cœur que donne-moi 20 000 à la femme si. Prends 10 000, tu mets de côté. S'il faut même que tu dises à ton gars que le gars a donné même seulement 5 000, dis que c'est 5 000. Mais tu sais que c'est pour la bonne cause. Parce que quand tu dis que c'est 20 000, bon, c'est pas pour... Oh, c'est 20 000, ça... la semaine, si il te donne pas moi l'argent. Mais puis, il y avait l'argent que le gars est venu donner. Je mens. Il y a même des femmes qui m'ont souvent dit que je ferme certains commerces, mon mari ne connaît pas que c'est moi qui fais ça. Tu t'entends avec 2 boutiques au quartier là-bas. Tu as un petit voisin là, tu dis, tu donnes 500, il sort, c'est lui qui va déposer au quartier. Dès que ton mari sort comme ça, comme bien, tu fais. Le truc, c'est que si tu fais un petit truc qui va rapporter l'argent à la maison, pourquoi ça le dérange? C'est pas comme si tu sortais pour aller te pavaner en route pour chercher les gars. Déjà, c'est même une femme ici là qui cherche les gars, c'est que tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Déjà, celui qui est à la maison avec toi, ça ne te laisse pas, tu peux encore chercher dehors. C'est que tu es folle. Tu es folle. Regarde d'abord l'homme avec qui tu es, les mots de tête ne te laissent pas. Et c'est que, je peux dire, 1/5 des femmes qui me suivent, vous êtes déjà arrivé à un niveau, vous avez votre argent. Mais je sais qu'il y a encore une autre partie que, parfois ils voient la fête que, ouais, que c'est quoi ton problème? Il faut que tu gifles seulement. Je dois taper ta tête. Tu veux même lancer avec ton propre argent. Comme tu as dit là, Elisha. Non. Hein? Pourquoi? Je veux que... Tu dois aller chercher mes enfants à l'école. Je veux que les enfants arrivent à l'école de la maison. De l'école, ils te voient à la maison. Les gens qui sont riches, leurs enfants ont déjà compris. Attendez. Bonjour, tu vas nettoyer. Attends encore une heure, pardon, tu as compris. Merci. Mais on t'a bien tressé, hein? C'est très beau.
Tu vois souvent, tu dis que mince. Si j'apporte un peu dans cette maison, ça te dérange à quoi? C'est pour ça que tu dépends de lui. Ta mère est malade, tu viens, tu dis. C'est un peu une priorité pour lui. Sylvie, tu sais, c'est parce que la femme aussi, elle-même, parfois la femme, je dis toujours, hein, moi dans mes vidéos, quand les gens me disent merci pour les vidéos et tout ça là, je dis toujours, quand je fais les vidéos, je ne viens pas travailler pour toi. Tu avais déjà la force en toi, tu ne savais pas. Je viens maintenant pour te. Quand je parle, ça te fait te rendre compte que les idées que je reçois là, ce n'est pas. Non. Je peux vous dire le nombre de relations que j'ai arrêtées. On s'est regardé comme ça. Celui d'Angleterre qui vous disait que sa famille avait l'argent, il est parti au Nigeria pour voir sa famille. Sa famille lui dit, il arrive là-bas, la famille demande que tu sois avec qui. Il avait un peu honte de dire qu'ils sont avec moi. Son père lui dit que je vais te présenter, j'ai des enfants, de mes amis ici, ce sont les avocates, les docteurs. Il revient et me dit, je lui dis que papa, attends seulement un peu, just give me, attends quelques années, je vais avoir l'argent. On s'est séparés comme ça là. Avec d'autres, j'étais avec, le gars ne veut rien faire. J'étais avec l'autre, il voulait seulement faire le faux. Je lui dis que je serai connue, je sais qu'on va me connaître sur cette terre. Dieu m'a déjà montré que je serai célèbre. Je ne peux pas salir mon nom. Je ne pourrai salir mon nom. Je ne peux pas laisser qu'on me voie. Même en France, je serai connue. Je vais arriver à l'aéroport aux États-Unis, on va me reconnaître. Je sais que le temps va arriver. Donc je ne peux pas faire ce que tu veux, ce que tu sais dans quoi tu veux m'amener, je ne peux pas. D'autres que tu rencontres, c'est seulement les grosses paroles. Les grosses paroles, pas d'action. Gagner de l'argent, c'est très facile. Il y a les tests que tu dois traverser, les tests que tu dois passer. Le premier test, c'est la persévérance. Deuxième test, est-ce que tu crois en toi? Toi là, est-ce que tu crois en toi? Quand tu reçois une idée comme ça, est-ce que tu crois en ton idée? Le troisième test, je pense, c'est celui de ne pas chercher à plaire aux gens. Le test du je m'en foutisme. I don't care. Oui, le test de je m'en fous. Et pour ceux qui sont appelés à être sur les réseaux sociaux, je dois passer aussi le test de l'opinion des gens. Bon, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Je sors ma carabine sur vous. Tu fais I, je fais A. Ça, c'est un autre test. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné vos pages. Et vous savez qu'à travers la page, là, tu peux te faire de l'argent. Tu peux aider les gens. Parce que quelqu'un vient te donner son opinion de la journée. Il a fait 3 semaines sans faire l'amour. Il a déjà beaucoup de sperme dans son dans ses côtes. Il vient te faire un commentaire désagréable. Et tu vas prendre ça. Oh, il a dit que. Et puis après, il y a le test de j'ai droit au bonheur. Ça, c'est le plus dur, je pense. Le test de moi aussi, je mérite. I deserve. I'm worth it. Ce test-là, c'est parce que ça, c'est un test qu'on ne finit jamais. On ne finit jamais avec l'autre-là. Parce que chaque niveau auquel tu arrives, il y aura toujours quelqu'un dans ta vie qui va vouloir te montrer que donne-nous d'abord avant toi. Beaucoup d'entre vous travaillez pour les gens. Eric, tu aimes le test, tu je m'en fous. Oh my God. Je m'en fous, mon frère. Oh, l'autre, c'est trop bien. Je m'en foutisme. I don't care. Je t'en fous de tout le monde. J'appelle ça aussi le test de tu ne payes pas mon loyer. Le test de tu ne payes pas mon loyer. C'est moi qui paye mon loyer. Toute personne qui est dans ta vie, même si tu payes mon loyer et que tu veux faire que je devienne la chèvre, tu deviens la personne qui tire la chèvre. Laisse. Tarnan. Où tu es? Parce qu'une femme indépendante qui cherche la liberté, qui cherche l'accomplissement, tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu ne veux même plus dépendre de quelqu'un.
Pour lancer le business, tu as besoin de quelqu'un. Oh, j'attends que tu me donnes l'argent. Ouais, j'attends. J'aurais commencé si tu me donnais l'argent. Ça fait 2 ans, ma chérie. Si tu mettais la moitié de ce qu'on te donne de côté en 2 ans, tu aurais le fonds de commerce pour faire quelque chose. Merci, Darlene. Candide, le test de j'ai droit au bonheur là, hein, mamie. C'est dur. Tu as ton argent. Voilà ça dans ton compte que c'est là. Voilà ton argent. Tu ne peux pas manger ton argent. Voilà, Sylvie. Donne-nous avant toi-même. Quelqu'un, en tant que tu as dépensé ton argent, ça l'énerve. Oh my God. Oh my God, you're crazy. You're fou. You're fou. You're fou. You're fou. Au point. Parfois, quelqu'un arrive dans ta vie. Tu sors ton argent, tu dépenses sur tes enfants. Ce sont tes enfants, ce ne sont pas ses enfants. Ça l'énerve. Faites un peu le test. Au lieu d'aller dépenser tout le temps pour monsieur, monsieur, parce que tu veux lui faire plaisir. Sors un peu l'argent une période ci, la période ci, comme ça là. Fais un bon truc sur tes enfants. Aïe. Ah, yeah. Tu vas voir les humeurs qu'on va te sortir à la maison. Like, are you serious? Parce que c'est toi qui es à la maison, tu es la seule qui pense aux enfants. On va dire que ce sont tes enfants, non? You very fool. Tu crois que le genre de personne là va un jour avoir l'argent, il va te donner. Attends, dis, écris oui ou non. Tu penses que cette personne va avoir l'argent, il va te donner? Ma chérie, avant la fin d'année, s'il va faire un petit soin de visage, va faire un petit massage. Tu as dépensé 20 000 sur toi? De ton argent? Oui, mon argent. My money. Je travaille l'argent là seul. Je passe des nuits sans dormir, seul. Seul. On sait qu'à Noël, tu n'as pas besoin de cadeaux. Est-ce que tu as besoin de cadeaux, ma chérie? Est-ce que tu as besoin de cadeaux? Réponds. Dis-moi ici, là. Mais non, c'est la mère de la maison. Elle va se casser, elle va préparer. Elle va se casser, elle va faire ceci. Elle va se casser, elle va nous... Mais elle n'a pas besoin de cadeaux. Et c'est toi qui vas te lever encore pour aller acheter son cadeau pour venir déposer pour lui. Tu cherches ton habit dans la moitié, tu mets sur le lit. Hey, Jesus. En fait, tu te sens mal. Reine-mère, il t'a abandonné. Est-ce que tu es morte? Voilà, tu as changé ta coupe. Ça les dérange. Hey, Seigneur Jésus, Seigneur. Il y a même des gens que parfois ils voient tu te fais belle. Ça les dérange. Jeez. Laissons même l'affaire que l'homme doit entretenir sa femme. Laissons. Parce que j'attends que tu me donnes l'argent pour qu'elle fasse mes ongles ou je n'ai pas fait mes cheveux là. C'est mort. Dans le bureau, on va tout me prendre pour la dernière. Au bureau, là, on sait que tu n'achètes jamais les nouveaux habits. Tu peux savoir ce que ça fait, ma chérie. Quand tu restes, depuis 2 semaines, tu lui as parlé de ton problème. Et il rentre, il te dit, j'ai fait telle chose. Tu vois qu'il a dépensé l'argent. Et c'est même par inadvertance que tu te rends compte qu'il a dépensé. Enfin, on n'a pas pris la décence. On n'a pas la décence de t'informer. Tu remarques.
Ce n'est pas la compétition ou la concurrence. C'est juste que je fais ce que j'aurais dû faire depuis. J'aurais dû me voir. I should have seen myself. Et comme tu ne te vois pas, les gens ne te voient pas. J'ai dit qu'on ne te voit pas, ma chérie. Ouais, regardez, non, voilà les faits, non. Quand on a donné l'argent pour que tu achètes les habits pour l'enfant, que tu achètes tes choses, que tu achètes lui-même ses propres habits, tu peux manger, rappelle-toi de pour lui. Il t'a donné l'argent pour toi. Hein? Hmm? Je dépense, mais je dépense même sur mon chien. Je crois que vous avez vu mon chien récemment. Je dépense. J'ai un vigile là l'autre jour. Quand on lui a dit ce qu'on partait dépenser sur le chien, il dit que quoi? Il s'est dit qu'il voulait mettre le chien là dans la mamie pour manger. Parce qu'on vous a négligé, on vous a mis derrière. Et plus tu te mets à l'aise. J'avais un ici, chiche, mais il voulait manger africain. Maman Lucie, tu sors, tu fais le héros, 50 euros. Le lendemain, tu fais le bongo, 40 euros. Le surlendemain, tu fais le pilé. Oh my God. Mon père, tu vas venir pendant 3 jours, je vais faire les pâtes. Je vais mettre le ketchup, non pas le ketchup au-dessus. La tomate quand même, bon, la boîte de tomate, c'est peut-être maximum 2 euros. Oui, on fait les pâtes avec la sauce tomate. Mm-hmm. Oui, que les fêtes, c'est pour les enfants, non? À la Saint-Valentin, il fait quoi? Et je crois que les hommes africains font comme si... Voilà un truc encore que j'ai remarqué chez les hommes africains. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas romantiques, hein. Il va faire genre, ça c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ah, le romantisme des blancs, moi je suis pas mal dedans. Saint-Valentin passe comme ça. Même ton anniversaire. Décidez-vous maintenant que chaque année, quand il y a votre propre anniversaire, en fait, tous les mois, choisis un jour, tu dis que c'est ton anniversaire. Tu peux faire un bon truc sur toi. Tu vas voir les nerfs de ça. Depuis 3 ans que tu demandes l'argent pour acheter ta perruque, tu vas la lesbique là, non? Tu vas acheter la lesbique depuis, non? Mm-hmm. Faut aller acheter ça en janvier, ma chérie. Hey! Tu vas voir ce qu'on te dit dans la maison. Vous savez que les livres, c'est tout dans les 120 000, 200 000, 300 000. Voilà. Va acheter un peu ça, tu vas voir. Depuis 3 ans que tu veux, mets aussi sur ta tête, tu vas voir ce que ça va faire. Tu ne vas pas mourir, ma chérie. Parfois, tu as ton agent, il dit, partons d'abord construire ma maison. Construisons d'abord pour moi, chérie. Il y a une comme ça en France. Elle me dit, à 11 ans de vie commune avec le monsieur. Récemment, elle se rend compte qu'il ne payait pas les traites de la maison. Parce qu'ils avaient organisé de telle façon que tout ce qui concerne les enfants, la nourriture, c'est elle qui paye. Et lui, il paye 2/3 de la traite. Parce que l'autre, je crois, ça en est 1500 ou 1800 euros. Les deux avaient de bons boulots, donc ils pouvaient se permettre ce genre de traite pour la maison. La banque envoie la lettre l'autre jour. Fait plus de 6 mois. Il n'a pas payé. La petite soeur de ta... Quand l'homme est dans un endroit, il ne paye pas le loyer. Après, là, la femme, tu viens la nuit, tu fais comme ça, là, il fait le truc. Après, il se couche, il dort, lui. Tu ne peux pas, il mange. La femme se rend compte, et elle dit que pendant les 11 ans, ils ont conçu sa maison, la maison du monsieur. Le terrain au nom du monsieur, tout dans la maison au nom du monsieur, au Cameroun. Maintenant, elle est en train de vouloir se séparer de lui.
Elle n'a que coq, rien. Voilà ça qu'elle a construit son immeuble au pays, non? Les dettes de la maison, c'est sur leurs deux noms. Le genre, il peut même se décider dans 2 ans, il vient vivre au Cameroun, il te laisse là-bas avec les dettes. Te voilà là-bas. J'ai dit, je dois faire une vidéo que je dois mettre sur YouTube. Je suis devenue narcissique. Et j'aime ça. Je suis devenue narcissique. Je suis égoïste. J'aime penser à moi. Je me lève le matin, je pense à moi. Je me dis, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Qu'est-ce que je vais manger pour ce midi? J'ai bien envie de faire ceci. Quelle est la nouvelle voiture que je vais acheter l'année prochaine, en 2023? Je ne savais pas dans ma vie qu'un jour je pouvais. Oh, j'aime bien le lit, si j'ai envie d'acheter un nouveau lit. Oui. J'aime ça. Oh my God, le goût de ça. Oh my God. Souvent, c'est ça, je vois un hôtel dans ma ville que je vais aller dormir là-bas. Je pars, je paye, je dors. Oh my God. Je laisse ma maison avec la belle chambre que j'ai équipée là. Je pars, je dors moi dans l'hôtel. Oui. Apunga. Je me lève le matin, je reste au lit jusqu'à 9h. Oui. Quand la natte du sol, quand la natte de 4000 te massait le corps au sol, personne ne parlait. Maintenant, quand tu vas dormir dans un grand lit de 3 places, ça dérange les gens. Ils vont vous chercher. Pourquoi tu allais manger dans l'endroit là? C'est cher. C'est ton argent, non? Hein? C'est ton argent, non, ma chérie? Hi. Pourquoi tu veux prendre l'avion pour partir à Bafoussam? Oui, parce que je ne veux pas me taper 6 heures de route. Je ne veux pas me taper 6 heures de route. Avec les trous qu'il y a sur la route. I don't want to. Je veux aller à la montagne pour le week-end. Oui, chérie, je pars en ligne, je book mon Airbnb. Bien cher. Je pars là-bas dans le chalet, je me couche, je dors. Je me lève le matin, respire l'air. Oui. Oui. Certains d'entre vous, il vous faut la délivrance avant que vous commenciez à vous aimer. Il te faut la délivrance. Pourquoi l'argent en a ta main comme ça, là, tu prends une partie, tu fais ce qu'il te faut sur toi. Tu rentres ton bavard dans tes oreilles. Tu vois quand l'eau touche le canal, non? Ça glisse comme ça, ça fait flup, ça tombe. Oh my God. Je me coiffe, ça fait 2, je vais retirer, je retire. Mon argent, non. Quand vous allez commencer à vous aimer, vous êtes malheureusement, vous allez voir quand il y a les gens autour de vous, surtout ceux qui sont là pour vous exploiter, ça va beaucoup les déranger. L'étape là est très cruciale parce que il y en a que ça va casser. Parce que vous allez maintenir. Ah, tu es trop têtu. Tu n'en fais qu'à ta tête. Quand il faut travailler, je ne travaille qu'à ma tête. Quand il faut travailler, je travaille seul, non. Quand tu fais le night shift, tu as ligne 3 jours sans dormir, là. Qui est avec toi? Hein, mamie?
Hein? Quand tu pars au boulot, tu fais 2, 3 jours, tu ne dors pas. Tu alignes les chiffres sur les chiffres, les chiffres sur les chiffres. Parfois, m'écouter aussi, c'est au shift en train de m'écouter. La personne ne voit pas. Tu rentres, on ne croit pas que tu es fatigué. En fait, il y en a parmi vous, on vous a appelé pour les superhumans. On croit que tu es une super femme. Que tu n'es jamais fatigué. Tu n'as jamais aussi les moments où tu as besoin de. Je ne sais pas. Doit pour ça avoir besoin de repos. Essaye un jour, une fois en un mois, tu prends une chambre dans un hôtel. Même si c'est dans ta ville. Tu vas voir comment l'atmosphère est différente. Quand tu te réveilles, tu n'as pas la pression qu'il faut faire ça, il 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 faut faire ça. Seulement ce petit instant-là, ça te restaure. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes fatigués. Je vous dis, vous êtes fatigués. Et vous ne savez même pas que vous êtes fatigué. Parfois, tu as besoin de prendre du recul pour te revoir. Tu te recentres. Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes dans vos foyers là-bas, que vous êtes arrivé à un niveau où tu te lèves, tu fais ce que tu as fait. Si tu l'attends, il ne va jamais t'aider à faire quelque chose. Certains sont dans la maison comme les colocataires. Mais il veut que ce soit la colocation partielle. Genre, tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu ne dois pas être à l'aise. Dites-vous aussi que vous avez droit un peu. Enfin, reste au ça. Quand je me rends compte que si je meurs aujourd'hui, toute ma famille va continuer à vivre. Ils vont venir boire à mon deuil. Quand ma mère est décédée, ma mère était, elle a bossé toute sa vie. Je ne me rappelle pas un jour ma mère s'est reposée. Elle bossait, elle donnait aux gens. Elle nourrissait les gens. Elle aidait les gens. Que tu fais quoi? On dit que tu es fatigué, que tu fais quoi? Oh! Ma mère passe son temps à travailler pour les gens. Quand ma mère est morte, même la cuillère, comme on dit que voilà l'héritage que ta mère a laissé, je n'ai pas vu. Tout, même tes habits vont venir prendre. Ta voiture, tes chaussures, tout. Et si tu vivais avec monsieur, dans quelque temps, une autre femme va venir là-bas. Mais bien sûr, ma chérie, tu croyais que quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vos richesses. Prenez, vous mettez au nom de vos enfants, s'il vous plaît. Et il y a toujours quelqu'un que vous avez informé la personne qu'il y a ça à tel endroit. Qu'il y a ça à tel endroit. J'ai mis au nom de tel enfant. Pour être honnête avec moi, vous, je préfère que mon enfant. Je préfère que mon enfant fasse ma chose. Oh Seigneur. Oui. Laissez mon enfant prendre. Il peut être bousillé, il n'y a pas de souci, laissez. Parce que malheureusement, on est comme si on était dans un monde où on est toujours observé. On veut toujours nous commander. Donc, si ce n'est pas ta famille, tu quittes la famille, c'est la belle famille. Après, quand la belle famille finit, il y a aussi le mari ou la femme. Donc, il y a sans cesse quelqu'un qui demande quelque chose de toi. Sans cesse quelqu'un qui demande quelque chose de toi. Et parfois, tu as besoin aussi, tu as besoin d'être lucide. Oui.
Vous payez les factures, on dit que tu es en bain. Maman, pardon. Lucie, quand tu parles là, je sens que tu vis ça bien, même tu as des descriptions qui sont très détaillées. Du courage. Et vous savez, quelqu'un se comporte en fonction de la femme qu'il a en face de lui. C'est pour ça, parfois, quand tu te sépares de quelqu'un, tu le vois dans une autre relation avec une autre femme. Tu dis, hé, donc tu pouvais donner l'argent à une femme. Waouh. Tu es choqué. Et aussi, c'est parce que certains d'entre vous, vous pensez que la solitude vous gratte. La solitude, ce n'est pas le kwashiorkor. La solitude, ce n'est pas le sida. Elle vit seule. Yish. Elle est malade. Non. Quand tu arrives à la banque pour retirer ton argent, ou bien quand tu vends un produit, les clients achètent, avant de te payer, ne demande pas est-ce que tu es marié, est-ce que tu vis avec quelqu'un, est-ce que tu. C'est ton service qu'on paye. Donc arrêtez un peu de vous laisser laver le cerveau tout le temps. Tu veux garder la face devant les gens qui n'en ont rien à faire de toi. Attends, est-ce que tu sais que les gens que tu cherches à impressionner là, est-ce que tu sais que ces gens-là n'en ont donc, ils n'en ont rien à foutre de toi, ma chérie. T'es donc, hein? T'es donc, hein? Quand tu vas mourir, ils vont venir, ils vont passer devant ton cercle, ils vont te voir. Oh. Oh, regarde, tu as vu Jocelyne? Quand elle est morte, elle a noirci, hein? Oh. Elle a noirci. On s'assoit, on voit l'organisation, on voit un peu comment on est organisé. Ouais. Il y avait quand même la nourriture. Et quand Jocelyne était vivante, elle cherchait à les impressionner. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Bonjour Elise, comment tu vas? It doesn't make sense. Et c'est pour ça que vous critiquez beaucoup ceux qui s'en foutent de vous. On a déjà vu. Dieu ne punit pas quelqu'un parce qu'il est égoïste. Dieu ne punit pas quelqu'un parce que la personne a commencé à penser à lui. Tu vas voir, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Eh ouais, attendez longtemps. On allait chercher la punition, on l'a fatigué. Non, Dieu ne l'a pas puni. Dieu n'a pas puni. Vous connaissez même. Il y a un monsieur, il est venu l'autre jour. Il a eu une main. Il me dit qu'avant, il avait sa maison, tout le monde entrait chez lui, il faisait les barbecues, il recevait les gens. Wow. Et après, c'est les mêmes gens qu'il recevait qui sont partis pour le faire tomber. Il dit que sa nouvelle maison, que personne ne connaît même là où il vit. Personne ne connaît. Personne, donc que personne ne connaît. Il dit qu'il est à l'aise. Parfois, le week-end, tu sortais ton argent pour dépenser. Tu cours dans le supermarché, tu ramasses les choses. Tu mets le barbecue, tu fais, tu allumes. Ils viennent, ils mangent, ils boivent. Wow. Ton mari se désintègre. Personne ne parle, parler même à ta femme. Personne ne veut dire, ouais, mamie, regarde-moi là, regarde, voilà mon frère là-bas. On sait que tu as perdu ton logement. Personne ne t'appelle pour dire que papa, tu dors où maintenant? On sait que tu as perdu ton boulot. Personne t'appelle pour dire que ouais, vraiment. J'ai même vu un endroit là-bas où tu peux me venir quand même, on te donne même c'est 700 euros. Parfois, Dieu va permettre que tu tombes un peu. Pour que quand tu vas te relever, hein, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Mais quand Dieu t'a oint là, hein, ma chérie, tu as eu l'argent, ils sont venus, ils ont pris, ils sont partis, non. Ne te dérange pas, l'argent arrive encore. Tu parles de quoi? Tu peux pas devenir pauvre. Non, jamais. Jamais. Quand tu vas remonter le tout, ils vont seulement te voir à la télé. Ou bien ils vont seulement. Même les statues là, tu les as bloquées. Donc ils n'ont même pas moyen qu'ils voient tes statues.
Il y a même les gens qui veulent me m'intimider. C'est poste la moitié des choses que je fais. C'est les gens me détester sur mes statuts. Oh, c'est vrai, Audrey. On me dit living the best life. Et j'ai commencé à vivre vraiment parce que je me suis dit à un moment que, hey, regarde l'âge que j'ai déjà. Il y aura un moment où je ne pourrai plus enjoy vraiment. Gars, vous savez quoi? Peut-être j'enjoy un peu maintenant. Make a start enjoy my life. Make a start enjoy my life, my money. Qu'est-ce qu'on ne va pas venir te dire? Quelqu'un voit ton statut. Il sait qu'il t'a demandé 10 000 hier. Écoute, tu me demandes 10 000, je ne suis pas obligé de te donner. Tu comprends? Tu comprends? Oh, you are. Tu veux que je tape ta tête? Tu veux que je tape ta tête? Ce n'est pas la facture qui vient de l'État. Ce n'est pas les impôts. Ta demande d'argent à mon égard, ce n'est pas les impôts. Ce n'est pas le loyer. Parfois, vous prenez les demandes des gens comme les obligations. Et si je ne paye pas, il faut que je paye. La police va venir te trouver. La police va venir te trouver. Madame, vous n'avez pas envoyé 15 000 à votre soeur au village. Venez, tournez-vous. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. What? Et vous, pourquoi? Il te demande 10 000 hier. Tu as acheté ta nouvelle chaussure de 50 000. Tu as honte de poster ta chaussure parce que il va voir ta chaussure. Jésus. Les 15 000 qu'il t'a donné là, demandé là, il a demandé les 15 000 là, à 5 personnes. Donc quand 15 000 vont quitter de ta poche, sur les 5 personnes là, supposons 3 donnent. Quand tu paies 15 000, il gagne 45 000 parce que 3 personnes auront donné 15 000. Vous voyez bien les calculs, hein? Va les calculs des mendiants. Ah, il m'a demandé l'argent hier. Il a dit qu'il souffrait, que les enfants sont malades. Je ne peux pas quand même me permettre de partir à la piscine ou bien à Kribi avec les enfants. Non, je ne peux pas. Ah bon? Ah bon? Et j'ai remarqué que c'est parfois, hein, quand tu vois le mode des gens, le mode de vie des gens qui te demandent là, ils vivent bien. Hein? Sérieux? Il est au bar tous les soirs, il boit ses 3500, 4000, parce qu'il boit, il mange le poisson brisé. Toi, tu pars rarement au bar. En fait, il se fait plaisir. Quand il pense que plaisir, il part, il se fait plaisir. Oui. Parfois, tu pars un peu dans la ville où il est comme ça, là. Tu arrives, tu le vois au bar. Bêtement comme ça, là. Observe seulement combien il consomme. Tu regardes. Tu ne dis rien. Le lendemain, il est au bar. Tu ne dis rien. Après, tu totalises. Tu dis, hey. Il a fait... J'ai fait une semaine au village. J'ai vu combien il a dépensé devant moi. Chaque jour, 2500. En fait, le gars, il me prend pour une folle. Et là, tu stresses, tu te réveilles à 3h, tu penses, il ne faut pas faire le Western Union. Souvent, hein, tu prévois même de partir chez Western Union, hein, tu finis tard, Western Union est fermé. 3 jours d'affilée, c'est fermé. Dieu ne veut pas que tu envoies l'argent à la personne là. Tu n'as pas compris. Tu pas en ligne pour faire, ça bloque. Tu as la pause, tu peux encore faire, ça bloque.
En fait, finalement, on bloque même ta carte. Dieu même ne veut pas que tu envoies les 100 000 qu'ils ont demandé là. Parfois, vous devez comprendre la façon dont Dieu fonctionne. Dieu, 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 oh Dieu. Quand c'est comme ça, pose-toi la question. Hey, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé l'argent à la tante, c'est là que ça fait comme ça? Et comme ça, là, tu lui envoies le message le premier jour que tu n'as pas pu. Elle est un peu bizarre. Le deuxième jour, elle se fâche. Elle va te montrer son vrai visage. Souvent, elle m'a dit que tu mens, tu mens. Écoute, je t'aide. Tu me traites de menteuse. Tu vas encore voir. Tu vas encore voir mon argent. Ça veut dire que même ce que tu m'as donné comme excuse pour que je te donne l'argent, là, ce n'est même pas ça. Meldani, quand, souvent quand elle reste et parle comme ça, quand ça sort de ma bouche, je sens que ce n'est même pas moi qui suis en train de parler. Ça, ce sont mes anges qui parlent. Ça, la sagesse, là, ce n'est même pas ma part. L'autre, c'est là, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon inspiration ici, là. Et ils ont le mauvais cœur sur vous ne savez pas. Parfois, c'est même aussi proche que ton gars qui est avec toi. Parfois, il se fâche parce qu'il a demandé l'argent à 10h, tu as envoyé l'argent à 14h. Je devais finir mon shift à 12h, faire les rapports de la journée, sortir du bureau à 13h. Prendre le métro, aller de l'autre côté de la ville pour faire ton envoi. J'envoie 14h, tu te fâches? Il est temps que vous revoyez un peu vos relations avec certaines personnes que vous prenez en charge. Revoyez un peu vos relations avec eux. Dès qu'il reçoit l'argent, il ne t'appelle plus. Hein. 3, 4 jours, 5 jours, généralement l'argent va faire. L'argent l'a fait souvent 10 jours avant qu'il demande encore. Huitième jour, il va déjà commencer à t'écrire à nouveau. Tu vois que dès qu'il reçoit l'argent, tu écris, il ne répond plus rapidement. Il ou elle est parfois ta soeur, comme tu dis là, Mélanie. Elle ne répond plus rapidement. Tu appelles, elle voit, elle ne répond, elle ne décroche pas. Le lendemain, elle ne te rappelle pas. 2 ou 3 jours avant que l'argent ne finisse. Bonjour, comment ça va? Tu as bien dormi? J'appelais seulement pour te saluer. Oui, bye. Oui. Demain. J'appelais seulement pour savoir comment tu vas. Après-demain. On est derrière le 5, hein. Tu sais que tu envoies l'argent tous les 5, non? Devenez sage. Si elle veut vous gifler, qu'un tac pour que la sagesse entre dans votre corps, devenez sage. Et ce que l'esprit vous dit souvent, les petites choses que les gens en font, mais vous ignorez. L'esprit te montre que chaque fois que tu envoies l'argent, tu n'as pas remarqué qu'elle décroche puis tes appels après. Mais après, tu dis, ah, tu passes aussi sur ça. Arrêtez. Tu me demandes l'argent. Tu me demandes parfois si tu es en train de manger. Et ça, bah, vous connaissez là où on vend le caviar à doigt là. Il faut que je goûte sur l'autre là avant de rentrer. Vous connaissez là où on vend le caviar à doigt là. On a besoin d'énerver un peu certaines personnes. Oui. Tu m'écris, je suis occupée, je suis en train de faire mes soins. C'est fini, je suis trop fatiguée pour passer, envoyer ton argent. Je mets ça à demain. Ton urgence n'est pas mon urgence. Parce que quand moi-même j'ai l'urgence, ce n'est pas ton urgence. Vous comprenez, non? Vous allez voir que beaucoup de personnes vont quitter derrière vous. Ton téléphone va rester souvent comme ça, là. Même c'est à 16h que quelqu'un va t'écrire depuis le matin. C'est à 16h que tu auras un message. Parce qu'ils vont t'oublier. On va le caviar à Carrefour. Hein.
Même si à Carrefour, c'est moins cher. Je ne veux pas les trousser. Non, ce sera moins cher. Je ne veux pas. Qui connaît un resto où on vend le caviar? Moi, c'est Carrefour comme ça, on va t'emballer un truc. Merci Christelle, que vous recevez la sagesse, que vraiment cette année 2023, que ce soit une année où vous pensez à vos projets, que ce soit une année où vous avancez, que vous ayez des avancements spectaculaires. Si quelqu'un porte, quelles que soient les réunions que vous allez bouffer, entre maintenant et février, je déclare que vous allez bien utiliser l'argent de cette réunion-là, au nom de Jésus. Je viens contre les problèmes urgents qu'on vient de déposer sur vous pour vous stresser. Je déclare que vous n'êtes plus stressable à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, oui. Je dépose la paix sur vous, la paix. Paix de l'esprit. Que toute pression que vous avez. Et certaines parmi vous, vous avez souvent. Je crois qu'il y en a. L'esprit me dit de vous dire qu'il y en a où vous aviez déjà dit non. Mais depuis quelque temps, le gars peut-être ou l'ex vous faisait de la pression. Donc tu commençais déjà à céder. Il faut que tu resserres. Tu dois te resserrer. Resserre ton esprit. Regarde-toi. Concentre-toi à nouveau. Rappelle-toi comment c'était quand tu étais dans cette relation. Merci la reine Michel. Rappelle-toi comment c'était dans la relation avant, non? Avant de courir maintenant, coucoudou, que tu peux encore dedans. Parce qu'il y a des gens qui aiment les bourreaux. Tu aimes quand tu aimes le bourreau, en fait. Tu aimes quand on te fait du mal. Tu aimes ça. Merci, Short Mini. Vous aimez les bourreaux. Avant de penser à retourner encore en prison. Comme les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, oh, il fallait qu'on rentre encore. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert avant d'arriver à la terre promise. N'arrive pas dans ton désert, tu vas encore rentrer là-bas. Parce que pour certains d'entre vous, ça a demandé beaucoup de force spirituelle pour briser, pour que tu sortes de ce mariage-là où on t'avait mis. Donc maintenant que tu es sorti, il ne faut pas que tous les efforts soient en vain. Tu le coups encore dedans, piac, tu tombes. Ok. Vivons, vivant. Enjoyons la vie vivant. Voilà Noël, non. Noël, ce n'est pas l'occasion de faire des folies. C'est juste un 25 décembre. Comme on dit, le 26 décembre, le 27 décembre, le 30, le 31 décembre, le 1er. Il n'y a pas de... C'est un jour pour planifier ce qu'on a à faire. C'est un jour pour s'asseoir et réfléchir sa vie. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous vivez avec des personnes qui se prennent Noël comme... Non. Si tu vas préparer, prépare, tu fais ce qu'il a fait pour les PS, pour les gens là. Mais reste dans ton esprit concentré. Reste concentré sur ton esprit. Ce n'est pas l'opportunité pour arrêter ton travail spirituel. Michel, si c'est les larmes que tu te rends compte de tes bêtises de passé, ou bien tu te rends compte des trous dans lesquels tu étais, oui, tu peux avoir des larmes qui te permettent de dire « Waouh Seigneur !» Parce que quand tu te rends déjà compte, ça veut dire que tu es en train de sortir de là. Ça veut dire que tu sors déjà. Parce qu'il y a des gens parmi nous, tu ne savais même pas que tu étais dedans. Dès qu'il fait « i », tu portes ton argent, tu donnes. Dès qu'il fait « i », tu es là. Dès qu'il fait « i », tu es bébé, il faut que je fasse quoi pour te rendre heureux. Tu veux quoi d'autre? Lève-toi aussi, tu vois ce qui toi-même, la femme, là, toi, qu'est-ce qui va te rendre heureuse toi? Il y a des femmes parfois qu'elles sont dans des mariages que elle est usée, abîmée, fatiguée. Tu vois, elle reste comme ça là. Tu sens qu'elle est l'ombre d'elle-même. Elle a déjà tellement vécu dans ça qu'elle ne sait même plus, qu'elle ne sait même pas qu'elle est dedans. Je prie que ce Noël soit un moment où tu vas te retrouver.
Que ce Noël soit une opportunité pour toi pour te retrouver. Certains, vous avez oublié ce que vous vouliez. Vous avez oublié qu'il y a de cela quelques mois aux années ou quelques années, tu avais des rêves, tu avais des projets. Tu voulais écrire un livre. Tu as oublié. Tu voulais aider les femmes. Tu voulais impacter les gens. Par-dessus tout, passez une très bonne journée. OK? Merci d'avoir partagé ma vidéo. Hein. Vous mettez la musique, vous dansez un peu. All the praise, all the world, thank you. Everything, Baba, say you give to me, Baba. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. I am that I am. Ooh. Bon, bonne journée. Allons manger.